Salut tout le monde, ici Doudou. Comment vous allez? Non, en fait, je m'en bats les couilles. Et de toute façon, il y a un brouillard ici. On est où ici? On est à San Francisco. À Los Angeles, pardon. Francisco, c'est plus gros, c'est genre par là-bas. Fera pas parce qu'il y a la brume, mais... ouais, c'est genre par là-bas. Alors, The Crew 2, encore une fois, j'adore ce jeu. Et je vais faire plein de vidéos dessus. On parle quand même de d'un personnage qui aime tellement tout ce qui est lié à la course, qui vit littéralement avec un avion dans son salon. Hein. J'ai une chambre, moi. Bah oui. Voilà, chambre. C'est un peu trop ouvert pour moi. Le balcon, quoi. Petit salon. Cuisine. Non, mais c'est tout équipé, en fait. Hein. Littéralement, c'est Daniel dans Taxi qui vit dans son garage. Ça manque de canapé, un peu. Grosse image sur la télé, putain. Le bateau Bozette. Puis ben c'est tout en fait. Du coup, la map. Ouais, il m'a mis la brume sur le. Mais c'est complètement débile. Voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait faire aujourd'hui? Parce que ça, je l'ai déjà fait. Ah. Eh ben allez. Établir une destination. C'est parti. Alors, excusez-moi, j'aimerais régler les paramètres de son. Pourquoi on n'entend pas le moteur? Voilà. C'est ce moteur qui est trop discret, je pense. Ils ont un problème avec le V12 Aston dans le jeu. Hein. Il rugit jamais autant qu'il devrait. Je vais monter le son parce que je sais que je parle fort et qu'on n'entend jamais le jeu derrière. On entend un peu. J'ai écrasé quelqu'un! Allez, vas-y, y'a plus de limite, ça y est. Y'a The Crew 2 qui se transforme en GTA. En même temps, j'ai qu'à pas rouler à 200 km/h, mais... Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Vous avez qu'à rajouter la police, et puis voilà, quoi. Enfin bon, on va foncer, hein, parce que bon, parce qu'il y a de plus intéressant les trajets. Mais je vais pas non plus faire des épreuves en boucle, je veux dire, ce serait pas si intéressant que ça non plus. Ce qui est intéressant, c'est de voir la route et puis d'aller vite. Bon, c'est aussi un peu parce que je veux frimer et montrer comment je conduis bien, mais ça, c'est autre chose, si vous voulez. Le virage à 100, quoi. Il n'y a plus aucune limite dans le jeu.
Oula. D'accord, collision à plus de 100 km/h, mais pas de problème, très bien, fais ce que tu veux le jeu. Allez, on fonce. Ça y est, on est sorti de la ville. Là. Ridicule. Alors autant le poids des voitures, on le ressent et ça c'est bien. Autant les collisions, il y a un petit problème si tu veux. Mignon. Pourquoi il y a autant de monde, sérieux? Ça fait aucun sens là. Vous vous rendez compte, j'ai été obligé de descendre à 150. Cette phrase absolument formidable. Vous vous rendez compte, il a fallu que je roule qu'à 150. Ça casse la moyenne. Prends le virage à plus de 100 km/h, quoi. Oula, oula, oula! Et merde. Voilà, comment perdre du temps, hein. Putain, route en lacet. Oula. Commence à faire... Voilà. Pardon. Commence à faire nuit. Commence à avoir beaucoup de virages aussi. Alors, on va peut-être changer de voiture. Fais voir la route. Ouais, non, ce sera pas la peine. Parce que je me disais, s'il y a du... S'il y a du virage comme ça en lacet, on va peut-être y aller en mode initial D, mais au final, il n'y en a pas tant que ça. Donc. On voit encore le soleil quand même. Hein. Il n'est toujours pas couché cet enculé là. Allez, un petit rallycross. Voilà. Ah, changement de condition météo, visiblement. Est-ce qu'il va pleuvoir? Est-ce qu'il va neiger? Non, là, juste on change le... Ah, la brume. Très bien. Sont tous déjà en train de viser leur micro et nul. Ah, un rallycross en vraie nature. Bah du coup c'est plus du rallycross, c'est du rallye en fait. Oh l'ours! Oh, je suis passé en marche arrière. Bon, je me suis fait démonter. Ouais, il a une Lancia Delta. Yes, ça passe.
Ah bah ça passe. D'accord, ça passe très bien. Putain, elle est dure cette course, ça. Là, on arrive sur Alphalt. Ça faisait... non. Ça faisait aucun sens, ça, ou pas. La physique du jeu est pas parfaite partout. Hein. Il permet des choses, quand même, ce jeu. Putain, il est où, le premier? Ouais, les checkpoints sont permissifs, hein, franchement. Et merde. Deuxième. Bon, faut terminer dans le top 3. Après tout, on peut pas gagner à tous les coups. Hein. Cette course m'a cassé les couilles, j'ai pas envie de la refaire. Alors, voyons voir un petit peu ces pièces. Ah merde, 160, 169. Et là, 164. Peut-être intéressant de passer sur la Porsche, hein. On va passer voir ça. Parce que j'aime bien les Ford Focus en rallye. Voyons voir un peu. Qu'est-ce qu'on a de pas loin? Rien a priori. Plein de trucs sympas. Alors moi j'aimerais c'est quoi ça? Hypercar, ouais, c'est grand. Attends, Gris, on s'en fout. Demolition Derby, parce que moi j'aimerais revenir au... vers par là, vers Détroit. Donc putain, il y a pas mal de courses. Bon, tant pis, on va rester là, puis on se déplacera entre les deux vidéos, c'est quoi.
assez loin. J'ai pas envie là de faire de l'hypercar. Franchement. Non, Street Race. Allez, on va faire un petit rallycross. En espérant que ce soit pas un autre truc comme on vient de faire, parce que ça c'est pas du rallycross, c'était juste du rallye. Eh ben si, c'est encore du rallye. Bon, pas grave. Vas-y, skinny chelo. Ouah, il y a Sébastien Loeb devant. Cristal. Ah ouais. T'as même pas un vrai nom, quoique si aux États-Unis, juste ça peut être un vrai nom. Ok, on va pas trop s'exciter, on va se contenter de conduire bien. Ou plutôt de conduire mieux que. Voilà Mini. Oh, c'est Harold. C'est Harold Finch. C'est personne au film terrestre. Après la mort de Reese, il a noyé sa tristesse dans la course. Il a quitté New York, il a changé de côte. Il est venu à San Francisco pour aider Marcus Holloway à se battre contre le City West. Le truc qui devient un méga crossover, tu sais. Bah après tout, The Crew 2 et Watch Dogs, c'est tous les deux des jeux Ubisoft, hein, donc... C'est con, hein, Ubisoft, c'est des Français, mais le seul truc qu'ils font bien, c'est Rayman. Je parle trop mal, hein. The Crew 2, c'est très bien comme jeu. Steep, c'est très sympa aussi. Steep, qui est 100% en français, qui a été fait par le studio Dance. Ah, c'est mon antenne! Depuis tout à l'heure, je me dis, c'est quoi ce truc qui court devant moi? Non, c'est pas. C'est juste le haut de mon antenne, en fait. Ah! Merde. Machiran. Enfin, non, Yapare plutôt, dans ce cas-là. Compliqué à comprendre le japonais, hein. Faut bien comprendre le sens profond des termes pour. T'es en tête! Pas se tromper. Ah oui, je suis en tête. Allez, petit coup de boost! De feu. cent soixante-sept, cent soixante-cinq. Elle est toujours pas meilleure, j'ai l'impression aussi. Non, elle est toujours pas meilleure. 164. 164. Ah bah, elle se valent maintenant. Tant bien. 231, 62, 233, 179. Mais moi, ce que je veux, c'est savoir combien. Quelle est la distance. Enfin, quelle est la taille de la voiture. Non, j'ai pas le droit à ça. Bon, tant pis.
On pourrait... revenir au QG, hein. Parce que de toute façon, fallait que je vois un petit peu les voitures achetées. Il me faut une nouvelle favorite en street race parce que je l'aime pas trop, l'Aston, en fait. J'aime pas le bruit de moteur, et pas ouf. Ça fait 21 minutes. Putain, déjà! Bah écoutez, deux courses de rallye, et puis bah écoutez, je vais gérer tout ça, on se retrouve dans le prochain épisode. Je vous laisse là, c'était Doudou, salut!